Mon chariot est de retour. Ma petite chariote, elle est là. Elle reprend du service. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je range en même temps pour le faire. Ben, moi, ça va. On est un peu fatigué, mais ça va. On est arrivé hier, donc vendredi matin, à 3h du matin. On a dû sortir de l'autoroute à Toulouse. On a perdu une heure. Pour celles qui ont suivi le live, vous avez vu, quand je vous ai quitté, on tournait un peu en rond. Donc, on a perdu beaucoup de temps à Toulouse. Et puis, après, on a perdu du temps à Montpellier aussi, parce que, pareil, autoroute fermée. Bon, là, on ne s'est pas planté, mais c'était pénible. Donc, voilà. Je vous fais un retour de course Intermarché. Oh, putain, il y a une mouche. Ça y est, elle m'a suivi jusqu'ici. Je vous fais un retour de course Intermarché et j'en ai eu pour 50 balles, je crois. 54,92. J'ai eu peur à la caisse des prix parce que vous m'aviez dit que ça allait piquer. Et au final, franchement, je trouve que c'est pas mal. J'ai fait des achats, quoi. J'ai fait pas mal d'achats au final pour 50 €, quoi. Surtout que j'ai pris des trucs chers comme ça et ça. Alors, ben, je vais commencer par vider un petit peu mon caddie. Et je me suis fait plaisir, forcément, parce qu'il y a des choses que moi, au Portugal, là-bas, je ne mange jamais. Donc, voilà, ça va y aller, ça va y aller. Et puis, je vais vous donner mes idées de recettes en même temps. Hein. Bon, c'est pas non plus des trucs de dingue, hein, mais bon. J'ai essayé de prendre un peu pour tout le monde, mais c'est pas évident. Allez, j'ai tout sorti de ma chariote, comme ça je vais essayer de catégoriser un petit peu. Alors je vais commencer par une ampoule LED 40 watts, et c'est des petits pas de vis comme ça, parce que c'est pour ma lampe de chevet. Ça c'est pour la télé, c'est des petites piles pour la télécommande. Et ça, c'est pour la souris, pour mon clavier et pour ma souris de l'ordinateur. J'ai pris Duracell parce que, bon, je ne sais pas si les autres marques, elles sont mieux ou pas à Intermarché. Mais bon, j'ai dit, allez, soyons fous. 1 kg de sucre en morceaux, je vais voir le prix. 2 petites bouteilles de lait, j'en bois pas, mais si les enfants viennent dormir ici avec nous, ben voilà quoi, il faut en avoir quand même. Alors là, c'est... que du bonheur, ça c'est que du bonheur. Un Saint-Félicien, j'ai failli acheter du Saint-Marcellin, je me suis retenue parce que j'ai dit après mon cholestérol, mon mais franchement, Saint-Félicien. 3 fromages de chèvre, Cabecou, c'est que du bonheur. Et pour terminer, un Société. Alors ça c'est pas cher par rapport à ce que je le paye moi. Quand je suis au Portugal, franchement, c'est pas cher. J'ai pris deux boîtes de papier de mouchoir. Du papier toilette. J'en ai plus. Ou presque plus. Pour les enfants, pour le petit goûter ou pour le petit déjeuner, j'ai pris des petits princes. Le classique, hein, en chocolat. Et puis, bon, ben, le cookies. Hein. Je pense que ça, tout le monde aime. Après, je ne sais pas ce qu'ils prennent le matin, mais bon, au pire, il y a le pain, le beurre, la confiture de mamie. Donc, voilà. Au pire ou au meilleur? Au meilleur, quand même. Hein. Un antifrice Signal. En général, moi, je prends que du Signal. Mais bon, je peux changer, mais j'aime bien. Des oignons rouges. Au pétard. J'ai pris une tranche de pâté. Oh là là, comment il sent bon. J'ai envie de dégommer. 3,35 €. On voit qu'il y avait du vent. On dirait la folle de Chaillot. Je me suis fait toute décoiffée. Il y avait du vent, oh là là. Oh, un truc de dingue. Oh, ça, j'ai pris un pâté pour Estier. Oh, j'ai envie de dégommer. J'y touche pas. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Et 3 € et quelques. Franchement, c'est pas non plus...
Voilà, c'est la charcuterie, quoi. C'est pas non plus... Ça, ça fait un repas du soir avec crudité. Hein. Bon, ça, c'est pour... Bon, je vais passer maintenant à la viande. Franchement, j'ai été surprise. J'ai pris de l'agneau. De la... Agneau sel, sans os. 5,34 €. Je pense que je vais faire comme un genre de couscous, à ma manière. Peut-être même, je vais me servir de Monsieur Cuisine, puisqu'il a fait le voyage. Donc ça, j'ai dit le prix. Un rôti de porc dans l'échine, c'est ce que je préfère, pour 600 grammes. Et il était à 2,43 €. Donc ça va, franchement. Et pour terminer, ça c'est un peu plus cher, c'est de la paupiette de veau, à 7,90 €. Ça, je vais faire avec des carottes et du vin blanc. Avec du fond de veau. Ça, je vais le faire en cocotte. Avec un... Je le fais dorer à la cocotte. Après, je mets un peu de vin blanc, des champignons, les pommes de terre. Je mets tout d'un coup. Et puis voilà. Et puis ça, certainement un couscous, il faut que j'achète du poulet. Donc voilà pour mes petites courses. Je vais vous mettre les prix à droite ou à gauche, je ne sais pas. Donc voilà, je vais placer mes petites courses. Et puis voilà quoi, je vous laisse, je fais de gros bisous à toutes les personnes qui m'ont suivi pendant le live, pendant ma route. Franchement, c'était fort sympathique, on a bien rigolé et je vois que, je percevais la bonne humeur, je peux dire ça, la bonne ambiance, j'étais dans un bon move. Je sais pas, je sentais vraiment qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et ça, franchement, c'est quand même super. Donc, je vous laisse. Je vous dis bien merci encore de me suivre pendant mes petites routes comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment sympa de partager la route avec vous. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de vous prendre et de vous montrer un peu les paysages. Mais malheureusement, quand on est dans la campagne, ça passe pas toujours. C'est parfois, on est coupé, et puis après, voilà, après on change de conducteur, et la vie passe trop vite. Bon, je vous apprends rien. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je papote pas plus, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! J'ai l'impression que je suis toute floue. Je sais pas si je vais pas éteindre derrière. Peut-être que c'est mieux comme ça. Et maintenant, je vais vous laisser la préparation, hein, puisque vous aimez bien que je vous montre comment je m'installe. Voilà, là, j'ai mis trop de lumière. Allez, on va dire que là, c'est bon. On fait comme ça après. Ça va pas ça.